Urban Jazz, le first LLP. Salut les amis, Kilimnatix, 5-9, Fabrice, et j'en passe. Salut les gens. Ça se passe, Jazz, mon ami. Ça se passe, mon ami. Nawel, Ant, salam tout le monde. This is. On est ensemble, les amis. Dinea, big up. Ça faisait un petit bail. Bon, allez, on y va avec cette petite vidéo. Bon, j'ai parlé des films il y a quelques jours. Là, on va parler des dessins animés. J'ai déjà fait des vidéos sur les mangas, etc. Mais là, je voulais parler des dessins animés précisément avec des symboles graves, comme les films. Mais là, dans les dessins animés, pour vous voyez que tout est lié, que dans tout, ils font la même chose. C'est un truc de ouf. Donc là, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est Happy Free Friends. C'est un dessin animé où des petits, comme des petits bisounours, font que se tuer, font que se couper les membres, font que se. C'est un truc de ouf. C'est un truc, je vous jure, c'est un truc de ouf. Les paralysies du sommeil, oh, je vais rester un de ces quatre frères. Donc voilà, c'est un truc où il n'y a que du sang partout. Mais bon, c'est pas pour les gamins, je pense. Hein. À mon avis, ça doit être interdit au moins de 12 ans, dans la logique. Je suis même pas sûr de ce que je dis, mais peut-être. Parce que c'est un truc de ouf. Et bon, on peut voir voilà, des bras par terre, etc. Bon, là, c'est rien, c'est comique. J'ai juste choisi cette photo-là pour faire l'introduction. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus hardcore dans les passages. Très hardcore. Mais déjà, ça, je vous garde ça pour après. Parce que là, on va pas passer dans des symboles, mais plutôt par des pratiques de ouf. Vous allez voir du sang dans tous les sens, avec que des dessins d'enfants. C'est ça que je trouve un peu dégueulasse, mais bon. Bah, ça, c'est sûr que c'est pas pour les enfants. Je pense pas. Mais tu vas voir que tout est fait en sorte pour que ce soit des enfants. Ou c'est des grands enfants, alors. Parce que c'est. Tu vois, là-bas, c'est deux petits lapins qui s'amusent à faire des trucs de gamins. Et d'un coup, boum, ça part en couille et il y a du sang partout. Donc. Bon, vous allez voir ensemble, Futurama aussi, ouais, des symboles partout. On va commencer déjà avec les symboles, et ensuite on va passer dans les dessins animés hardcore. Exactement, c'est ça, Guz. Bon, allez, on y va. Déjà avec, bon, Scooby-Doo, on arrive dans la fiche, on voit trois yeux. Bon, c'est peut-être le hasard, je ne sais pas, bref, ça, j'ai rien, ce n'est qu'un petit détail. Hein, Scooby-Doo, bien sûr, pour les gosses. Bon, c'est parti. Donc là, ce n'est pas un dessin animé, bon, je me suis vite fait. C'est quand même, voilà, le monstre à un œil, bon. Voilà, qui répand sa saleté, hein, le Dajjal, exactement. Avec des fantômes de. Bon, écoutez, voilà. Hop, regardez, le plateau. C'est un œil. Spécial pour journalisme d'enquête. Une armada de monstres a envahi Couzville. Voilà, maintenant, pour les enfants. Bon, allez, c'est parti. Moche, moi, moche et méchant. Voilà, ce petit truc-là, je pense que vous connaissez. Vous allez voir, hein, il y en a partout. Ça, c'est pour les gamins, par contre. Hein. Ça, c'est pour les vrais gamins. Hein. C'est pas pour les adultes. Hein. C'est vraiment plus con que ça, je connais pas. Donc, voilà. Ils sont plus que abrutis, ces illuminations. Voilà, vous l'avez vu, hein. Je sais pas si vous avez calculé. Je vais pas préciser, je fais l'erreur. Hop, bah, pour ceux qui n'ont pas vu, hein. Illumination, c'est très simple. Hein. Illumination, entraînement, voilà. Internment, c'est plutôt illumination. Voilà. Je pense que c'est assez illuminati après. Vous en faites juste le O et le N. Et pendant 2 secondes, le O et le N, il est parti. Et vous voyez, encore du subliminal. Là, c'est Monster NC. Disney, toujours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Non, je pense que ça, c'est, hein. Et si le M, si on part dans le délire du M, qui est caché un peu avec sa tête, si on retourne le M, bon, ça fait une espèce de pyramide avec 2 colonnes. Bon, là, c'est moi qui va loin. On n'a même pas besoin de le retourner, on voit déjà l'œil qui est là, ça suffit largement. Avec ce monstre-là aussi qui a qu'un œil, ils ont tous un œil presque, la moitié ont qu'un œil. Bon. En même temps, c'est des monstres, hein. C'est pas des monstres du bien. Le monstre, pour ceux qui ne savent pas, hein, un monstre, c'est. C'est pas une créature gentille, sinon ça s'appellerait pas un monstre, sinon on l'appellerait une créature. Là on l'appelle le monstre, c'est qu'ils sont forcément méchants, mais pourtant dans le film ils sont tous gentils. Ça aussi c'est des trucs que je comprends pas, ça. Pour pouvoir nous retourner les codes, regardez cette petite personne aussi avec un œil caché, bon ça encore ce n'est rien de spécial. Mais bon, ils inversent tout comme je dis, à chaque fois ils inversent tout, hein, le M. Cette femme avec les serpents, comme on connaît très bien, hein, cette... La déesse, la déesse, que ce soit le compte, la djinn plutôt, la djinn chétanesque avec les serpents sur la tête et avec un œil, bon. Voilà. Bonjour. Encore un œil, bon. En même temps, c'est logique, ce sont des monstres. Et un troisième là, voilà. Bon, allez, Futurama.
Il y en a pas mal. Monsieur. Voilà, on la connaît, hein, la célèbre. Hein, à Canoë. Votre nom, Vrai. Je m'appelle Léla. C'est le nouvel an ce soir. J'aimerais décider rapidement de votre destin et rentrer chez moi. Je peux vous poser une question? Tant qu'elle ne concerne pas mon œil. Ça concerne mon œil? Ouais. Allez-y, posez votre question. Pourquoi vous n'avez qu'un œil? C'est normal, je suis extraterrestre. On peut changer de sujet? Cool, une extraterrestre. Votre race a pris le contrôle de la Terre. Voilà, donc des extraterrestres avec un œil, bon, dans Futurama, sans parler de tous les logos qu'il y a. Regardez là aussi, hop. Qu'est-ce que ça a à foutre là, avec les trucs des poneys, là, des gamins là. C'est même pas les mecs qui regardent ça en plus, c'est des gonzesses. Qu'est-ce que ça fout là? Expliquez-moi, je ne sais pas. Voilà. Et encore, hop. Ouais, encore un autre Gravity. Ah oui, ça c'était la nouvelle série de Disney. Ah, du cerveau là, toute patate. N'est pas aussi infaillible que vous pouvez le croire, Stanford Fines. Cette fois, il a bien cherché. Il est temps de révéler le secret le plus puissant de ce journal. Voilà, le secret le plus puissant de ce journal. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Tu crois que ta combinaison est bien à l'abri dans ton esprit? Nous allons voir ce qu'en pense. Voilà, en danse subliminale, ils nous remettent une couche partout, tout le temps. Pas que de ça, les mecs. Veniforis, Dominus, Ventium, Veniforis, Rectum. Regardez. Il fait des prières et regardez ce qui apparaît. Le méchant. Si ce n'est pas explicite, ça, pour les gosses surtout. Là, on peut voir pendant une seconde qu'il y avait plein de trucs dans sa pyramide. Enfin, ouais, il a l'œil qui voit tout, il connaît déjà toute la science, tout ça. C'était en subliminal. Regardez. Boum, il prend les dents. Tu es diabolique! Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, et ça ce n'était qu'un petit aperçu! D'accord, bon, écoute, maintenant tu dois m'obéir! Voici ta mission! Tu vas pénétrer dans l'esprit de Stanford Pines pour... J'ai déjà fait la vidéo de Sugus, il a raison de dire que dans certains dessins Disney, on voit des parties intimes, etc. Et il a raison. On voit même des fellations, tout ça, en subliminal, dans des fenêtres, qui n'ont rien à voir, ou dans des ombres, hein, des ombres des gens, des femmes en train de faire des fellations, des trucs de ouf. Et c'est vrai, il faut le rajouter aussi, ça. J'ai déjà fait une vidéo qui le prouve, pour ceux que ça intéresse. Disney et les dessins sataniques. Comme vous le disiez, la science. Hein. Bien sûr, elle était subliminale, mais surtout chez le gosse. C'est le gosse qui regarde ça et il comprend même pas. Nous, on va en parler de ça, mais lui, il connaîtra le gosse, puisqu'il a déjà vu ces méchants-là plusieurs fois, le triangle et l'œil. Ça lui fera quelque chose dans sa tête. Ce n'est pas un truc qu'il n'aura jamais entendu, en tout cas. La magie. Là. Je sens qu'on va s'amuser. Souviens-toi, la réalité n'est qu'une illusion. L'univers est un hologramme. Ne crois jamais ce que tu crois. Voilà. Une phrase de sataniste à la fin en plus. Qu'est-ce qui m'a frappé? Une des sculptures de Belle. Regardez, il y en a d'autres. Ça va dessiner à l'ancienne. Pour ceux qui connaissent. Ah, parce que vous appelez ça des sculptures. Et voilà. Regardez le dessin animé. Voilà. Toujours, 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 toujours. Regardez. C'est la même chose, hein. Une loge de formation. Voilà, encore et encore. Tout, partout, partout, tout le temps. Je vous ai fait les films, là on fait les dessins animés, et c'est pas fini, hein. J'en ai encore d'autres. Je veux dire que ça continue. Voilà. Et il fait n'importe quoi, il coupe le... Bon. T'as vu ça, Kill? Et voilà, regardez-moi ça, des yeux partout. C'est pas explicite, ça. Salam Tunchi. Voilà, même le soleil, c'est un œil. Merci, les amis. Merci aussi à vous d'être là. C'est du délire. Voilà.
Quoi, c'est nous qui sommes parano, hein, les amis. Hein. C'est nous. Hein. On est des oufs, on invente des choses. Regardez ça. C'était pas explicite, ça. Attendez, je vous le remets, ça. Franchement, j'en ai marre. Qu'ils mettent ça dans la gueule de nos gamins. Franchement, pas l'accord, c'est un peu plus ancien, ça va, mais. C'est franchement celui-là qui me dit que. Voilà, franchement, j'ai envie, je lui cracherai peut-être à la bouche. Hein. Un mec qui me traitera de complotiste tout de suite, là. Je pense que je pourrais lui cracher dans la gueule. Parce que regardez bien, là. Franchement. Hein, c'est bon, on arrête là. On arrête. Hein, on laisse animer. De gamin en plus. Non, franchement. Laissez-moi le complotiste aussi là, d'accord, ok. Regardez-moi ça. Bon, allez, on repart. Pareil, un œil, d'accord. Regardez-moi ça. Le repère, la base, un œil géant. Toujours les yeux, je sais pas pourquoi ils. Regardez-moi ça. Voilà, le petit cornito. Bon, ils vont nous dire que c'est à cause de la musique, nanana, mais bon, ce n'est qu'une disquette pour mieux vous berner. Donc, juste fait dédicace, c'est tout. Je suis heureux maintenant, Derek. Et sans toi. C'est terminé. Playmobil, s'il vous plaît. Playmobil. C'est parti. Clémentine. Et voilà, là il y a le petit lien dans les nuages. Ce n'est pas explicite. Hodge, je sais pas, peut-être. Voilà. Après être sous la fumée, le mec avait. Voilà, la fumée bleue. C'est vrai. Le yoga, triangle à l'envers. Bonsoir, Clémentine. Humaira. Je t'ai entendu dire que tu avais mal. Alors je suis venue à toi. Ouais. Tu aimerais faire un tour dans le ciel. On va pas. Ça s'appelle la sortie astrale pour ceux qui n'ont pas saisi. Bien sûr, Clémentine, je suis là. Allez, viens. Elle lui apprend la sortie astrale, qui est une sortie satanique et en plus, bizarrement. Tout va bien, c'est le bonheur total. Voilà. Sortie astrale. Traverser les murs, vous avez bien vu. Hein. Voilà, traverser les murs, ok. Bon. Alors, je vais pas vous montrer tout non plus. Je pense qu'il y en a assez comme ça. Ça lâche pas, les mecs. Bon, là, je vous montre maintenant Turbo. Un petit passage de Turbo. Que monsieur, il a fait pause à un bon moment. Et je vous avais déjà parlé de ça. Qu'ils font une course, Turbo, tout ça, ils font la course. Et qu'à un moment, ils arrivent sur un super trophée. Et c'est ça le trophée. Ils arrivent devant ça. Le vainqueur, qui est Turbo Rouge, là, il arrive devant ça. Ce logo-là. Et ils sont là. Waouh, t'as réussi et tout. Voilà, Turbo, renseignez-vous, hein. Turbo Fast, mettez le film, vous allez voir. Voilà, j'ai essayé de retrouver la vidéo, j'ai pas trouvé, pourtant on m'a envoyé sur Facebook, mais je sais plus où, je l'ai foutu, il y a tellement de messages, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, merci à vous tous, mais j'ai trop de messages, j'ai du mal à tout regarder. Et donc, il y a un mec qui m'a envoyé la vidéo de ce passage-là, je l'ai perdu, je sais pas aller où. Je sais que c'était sur Facebook, mais bon, là ça va, je pense que vous avez assez la preuve, hein, avec une photo, c'est aussi assez intéressant de voir ça. Voilà, allez voir de vous-même sur le film. Tout le film, il faut une course de ouf pour aller où ? Pour aller là. C'est ça le truc qui est incroyable. Tous les jeunes sont à fond dans la course. Ouais, qui va gagner ? C'est qui le premier ? Tout ça. Et au final, boum, ils arrivent dans ce truc-là. C'est quoi cette manière d'appâter les gens Franchement, c'est du délire. C'est du délire. C'est pas aux plus intelligents qui s'attaquent, c'est aux plus jeunes. C'est là que c'est grave. Mettez ça dans vos merdes de films sexuels ou mettez ça dans vos. Vous voyez que le mec fasse le choix de regarder cette merde. Là, non, ils n'ont pas le choix, ils ne font même pas exprès, quoi. Même le père de famille qui est gentil avec son fils, il lui met Turbo, il va regarder Turbo Sinoche, il ne sait pas qu'il lui met, voilà, les signes dans la gueule. Pourtant, il a fait ça en acte bien, c'est un père, et voilà, il a voulu faire ça, il a voulu faire bien pour ses enfants, mais il contribue à les niquer, à niquer nous-mêmes. Et c'est quoi qu'ils veulent niquer ? C'est pas nos yeux qui veulent niquer, c'est notre cerveau, hein. Faut être clair, hein.
C'est nos yeux qui voient ça, mais c'est pas les yeux qui touchent, qui sont touchés, hein. C'est le cerveau. C'est le cerveau, la foi et tout ça. Donc il faut quand même se mettre les choses, hein, remettre les choses à niveau et surtout bien expliquer à ses enfants. C'est-à-dire que vous pouvez montrer, moi c'est ce que je fais. Je montre, si vraiment je juge qu'il n'y a rien de spécial, mais j'explique. Tu vois, ça c'était pas bien, ceci, cela, c'est pas bien. Non, non, j'explique tout de A à Z. Pourquoi mentir? Non, non, faut être honnête. Le Père Noël n'existe pas. Non, 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 de A à Z. Pourquoi commencer à apprendre des mensonges à vos enfants? C'est comme ça qu'on vous forme à mentir. Fais croire au Père Noël. Dis ceci, cela. Fais croire qu'il y a des lapins qui cachent des trucs. Pourquoi mentir? Non, c'est faux. Non, la vérité c'est, je cache des trucs pour toi. J'ai acheté ça parce que t'es gentil. C'est ça la vérité, c'est tout. Pourquoi mentir à ses enfants? Pourquoi l'État veut que tu mentes? C'est ça la question. Bref, allez, on continue. J'avais dit avec Happy Steve Friends, c'est cette série où il y a du sang partout. Je vous ai mis des moments hardcore. Vous allez voir que ça dépasse. C'est plus du dessin animé, c'est un film. Un film moins de 18 ans carrément. Ouvertement, ça va loin, ça va très loin. Même si moi je trouve ça marrant. Je pense qu'un petit gamin, il ne trouverait pas ça marrant, quoi. Et j'aimerais bien savoir, ça à partir de quel âge? S'il n'y a pas de moins de 12, etc. Je vais vous mettre le truc. Jamais vu moins de 12 ans, etc. Mais bon, en même temps, c'est que en DVD. J'aimerais bien savoir ça à partir de quel âge. Ça m'intéresserait. J'ai pas réussi à trouver les infos. Bon, allez, on y va. Avec un Appetit Flames, voilà. Je vous dis, c'est de la boucherie. Hein. C'est de la boucherie totale. Voilà. Je vous ai mis les moments les plus hard. Ah, ouais, c'est dans ça en petit. Voilà, regardez-moi ça. Je vous ai mis que des scènes hard. Donc, il n'y a pas d'histoire, c'est que des scènes hard. Regardez-moi ça, comme une orange. Regardez, écrabouillé par un bateau, par l'encre d'un bateau. C'est ça, loin, ça crie et tout. Hein. Regardez-moi ça, c'est en brûlé vivant. Et que des petits logos, tu sais, des petites têtes gentilles. C'est pas des. C'est, voilà, ils ont plus l'air d'être gentils, enfantins. Regardez. Oh mince. Pardon. Si on écoutez, on va se taper cette pub, désolé les amis. J'ai fait une marche arrière au lieu de faire. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on y va. D'ailleurs, ça aussi, je voudrais bien savoir, mes amis. Comment ça se fait que j'ai des pubs sur mes vidéos alors que je ne demande pas la monétisation? Ça aussi, je voudrais bien savoir parce que j'ai vu que ça va arriver. J'ai regardé. Donc, expliquez-moi ça en 2-3 mouvements. Bon, ça, je mets une petite info parce que ça va. Franchement, je comprends pas. Ils mettent des pubs sur mon truc alors que je ne touche rien et que je veux pas cet argent. Je leur ai dit, je refuse. Comment c'est possible? Comment je fais pour bloquer les pubs? Je veux pas qu'ils mettent leur merde sur mon truc et qu'ils gagnent de l'argent sur moi gratuitement. Voilà. Donc, dites-moi comment faire. Je le ferai ensuite. Bon, allez, on continue. Hop, je vous remets. Bon, pourquoi je voulais mettre pause? Je sais même plus. Dommage. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, je vais enlever les pubs. Voilà, coupage de tête, de tout, hein. Écrasage, écrabouillage, lynchage, dépeçage, tout ce qui existe en âge. Pour qui? Pour viser peut-être le jeune âge. Ça arrive aussi. Bon, voilà. Lapin dingo, regardez ce qu'il devient. Je vous dis, c'est du hardcore, hein. Soyez prêts. Hein. Vraiment, ah oui, c'est ça que je voulais faire, voilà. Hop là, quand on voit un truc comme ça, attends, c'est gentil, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, il va regarder ça. À partir de 2 minutes, ça change de décor. Tout, je vous dis, hein, ça me frappe Nigo derrière. Je vais peut-être mettre un épisode pour vous voir un peu. Pendant 1 minute, tout va bien. Oh, 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 c'est la belle vie, ils font des trucs gentils. Et d'un coup, boum, ça part en couille. Le sang partout. Voilà, donc un enfant qui n'est pas prêt, il peut être choqué en 2 secondes. Hein. C'est un truc de ouf. Et après, ça part comme ça, d'un coup, c'est l'inverse. Et lui, c'est le chétan dans l'histoire. Ah, ils sont partout, des yeux partout, crabouillés. Voilà, le dessin animé du futur. Hein, un dessin animé production 2008, je crois bien. Voilà, les dessins animés du futur, voilà. Complètement dingue. Voilà, vous voyez. Voilà. Et ça continue. Hein. Je vous montre que des passages, mais. Hein. Est-ce que vous avez vu les oiseaux qui mangeaient son cerveau? Regardez, là aussi, hein, ça représente le jeu à la fête foraine. Je vous dis, hein. C'est que des trucs de. Ils visent des gamins et. En faisant du hardcore, de ouf.
Donne-moi ça. Un bébé carrément. Rien d'instructif, ça parle même pas. Faut savoir que le film n'a même pas de parole. Comme ça, il n'y a pas de parole. C'est vraiment pour te dire que c'est plus que con, quoi. Il n'y a que des scènes comme ça, quoi. Il n'y a que ça. Formulier. Que ça. Regardez-moi ça, ses intestins. Le délire. Ah, je suppose que c'est interdit au moins de 12 ans, minimum, j'espère. Hein. Et encore 12 ans, ça me paraît juste. Hein. Franchement, ça me paraît juste. Moi, je vois pas ma plus grande regarder ça. Hein. Pourtant, c'est incroyable. Hein. Futur fournier, je te jure. Regardez-moi ça. Il y a tout, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Le petit canard dans le sang. Bon. C'est pas une web série, mon ami. Hein. Tu te trompes. C'est pas juste une web série, c'est vendu en DVD, etc. C'est commercialisé dans tout le monde entier, etc. J'en passe. Web série, c'est que sur Internet, là, c'est pas sur Internet. Renseignez-vous, hein, c'est pour ça en DVD, c'est voilà, hein, c'est rendu à l'export, hein, c'est pas sur internet, parce que ça, c'est clair et net, hein, je vous le dis tout de suite, je suis au courant, je l'ai vu, ça remonte en plus, ça fait très longtemps. Bon, on va pas tout regarder, hein, ça fait que, voilà, ça fait que des trucs dégueulasses tout le long. Donc ça peut être marrant pour des adultes de regarder ça, oui, bon, quelque part, oui, je dis pas le contraire. Mais pour des jeunes, non, là, par contre, c'est un peu de ouf, quoi. Et le mec qui tombe dessus, il est pas au courant. Hein, il voit que tout va bien, les belles petites têtes. En gros, c'est un genre de Tom et Jerry, mais hardcore grave. Comme on fait dans South Park là, le chat et la souris là. Voilà, c'est un peu dans ce délire là, exactement. Regardez-moi ça, incroyable. Non mais Tom et Jerry, je veux dire en mode hardcore de ouf. Non mais c'est même pas Tom et Jerry en fait, j'ai trouvé. C'est vraiment le truc des Simpsons là, voilà. Non, c'est. Ah oui, dans les Simpsons, c'est pas dans South Park, c'est dans les Simpsons, bravo. C'est dans les Simpsons, le chat et la souris là. Le chat et la souris, le chat noir. Itchy et Scratch, voilà, c'est du Itchy et Scratch en gros, exactement. Mais les Simpsons, est-ce que c'est interdit au moins de 12 ans? Voilà, hein, tout simplement. Bon, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Itchy et Scratchy dedans, mais bon, c'est pas interdit au moins de 12 ans, donc pourquoi. Peut-être que cela aussi ne l'est pas, tu vois. Là, maintenant, du coup, je me pose la question. À cause de vous, je me pose la question. Est-ce que c'est interdit au moins de 12 ans? Là, je suis même plus sûr maintenant. Parce que c'est vrai que les Simpsons, non, c'est pas interdit. Hein. Pourtant, c'est grave, les Simpsons, des fois. Ah, ouais. Les intestins. Allez. Hop, j'essaie de trouver... Aidez-moi ça. La voiture est ouverte en deux, les intestins, etc. Bon, allez, c'est bon. Je pense que voilà, vous connaissez la suite. Hein. Je vais pas tout mettre, mais c'est vraiment ça vaut le détour hein, pour ceux qui ne connaissent pas de regarder, de comprendre c'est quoi le délire du Sam Dinello, de comprendre le délire du dessin animé. Mais c'est gore tout de suite, c'est clair. Hein. C'est gore, mais regardez, des petits cœurs, des petites fleurs. C'est ça que je me dis. Ils veulent amadouer les gens, quoi. Leur nez, déjà, c'est des cœurs. Déjà d'une. C'est des petits dessins tout gentils, tout, voilà, une petite fleur, rien de méchant. Et d'un coup, je vous dis, blam, tout part en couille et ça devient dégueulasse. Voilà. Ils meurent avec le sourire, je te jure. Et à chaque épisode, ils meurent tous. Ah, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. À chaque épisode, ils meurent tous. Donc, ça, c'est important de savoir. Ils meurent tous, à chaque fois.
par qui, le mec en vert ou par des autres, mais il y a toujours des morts. Toujours, toujours, toujours. Et ils sont tous morts. Et à la fin, c'est une boucherie totale. Voilà. Enfin, en même temps, c'est peut-être le concept aussi du dessin animé. Mais bon, que dedans en plus. Hein. Donc on voit bien que cette fille est assez jeune. Hein. Elle n'a même pas toutes ses dents sur la bouche. Donc voilà, hein. qu'est-ce que je vous dise de plus. Ça confirme encore que ils savent à qui s'attaquer. Et voilà. Bah, merci aussi à vous, les amis. Bon, tout a été dit. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Ce n'est qu'un dessin animé parmi tant d'autres. Et les tant d'autres vont dire que c'est des dessins animés tout simplement cool. Qui sont normales. Que c'est logique avec le futur. Qu'on doit avancer. Qu'on doit innover. Bon. Moi, je préfère avancer et innover dans l'autre sens. On peut faire des dessins qui apprendraient la religion, par exemple, qui apprendraient l'histoire des prophètes. Hein, au lieu de salir ces gens-là, faire des dessins et de vendre des trucs à leurs réfugiés, pourquoi pas faire des dessins animés qui expliqueraient l'histoire? Tout simplement, des trucs très simples, des trucs de bien. Ou expliquer l'histoire des animaux par des dessins aussi, pourquoi pas? Pourquoi il n'y a jamais eu un dessin qui expliquait la vie des animaux? Mais je veux dire instructivement, à part les Dora, tout ça, ok. Dites avec moi, je... Non, ça c'est con. Je parle d'expliquer, d'apprendre un truc grâce à une histoire. C'est d'apprendre, oui, par exemple, voilà, le lion a des lionnes et c'est une famille, ça fait ceci, ça fait cela, vous voyez. Par contre, ils vont faire le roi lion avec aucun truc logique dedans. Aucun truc logique. Il y a un qui veut manger l'autre. Et surtout, il n'y a que le singe qui a l'accent africain. Hein. J'aime bien dire ça aussi, je le répète. Vous voyez, l'hypocrisie. Hein. Au lieu de bien expliquer le rôle du lion, le rôle des lionnes, etc., non, ça nous parle du singe qui a l'accent africain et qui fait de la magie noire. Voilà, ça je comprends pas. Faire des trucs dans le bien, tout simplement. Pourquoi aller chercher des histoires farfelues alors qu'il y a des trucs très simples qui s'appellent la vie? C'est tout. D'ailleurs, je respecte ces reportages où ils filment les animaux, tout simplement, et après ils font une histoire dessus. Ça aussi, j'aime bien ça, par exemple. Ils filment des animaux sur un an, et après, ils mettent une histoire dessus. Alors là, c'est Jason qui va rencontrer sa femme, etc. Bon, une connerie, je dis. Hein. Mais ça, c'est déjà plus intelligent. C'est déjà plus intelligent. Les animaux, au moins, ils font leur propre... Ils font les acteurs eux-mêmes, sans être payés. Des vrais acteurs, c'est... Voilà, quoi, hein. Non, le Roi Lion, je suis obligé de le dire, non. Il n'y a que le singe qui a l'accent africain. Et ça se passe en Afrique, hein. Vous savez où c'est la jungle, hein. Les lions, etc. Bon, il y en a même au Cameroun, il y en a dans plein de pays africains, mais c'est en Afrique. Ou au pire, à l'Amazonie, ou ce que vous voulez. Mais le Roi Lion, c'est connu, c'est en Afrique. Pourquoi il n'y a que le singe qui a l'accent africain? C'est juste une question simple, hein. Pourquoi il n'y a que le singe? Pourtant, ils sont tous en Afrique, non? Ils sont tous voisins. Pourquoi c'est que le singe qui est africain? Là, vous pouvez voir déjà la malhonnêteté de ces films. Tout simplement. Bon, allez. Tout a été dit. Portez-vous bien. À tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Respect en tout cas. Allez, ciao.